Bonjour tout le monde, c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre réserve. La dernière fois, nous avons fait cette belle prairie, ce beau champ, je sais pas trop comment appeler ça. Pour les chevaux de Przewalski, moi je l'aime, hein. J'adore ce terrain. Et de haut, ça va, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ici c'est réservé, je sais ce que je vais faire. Ça va être compliqué, mais j'ai envie de le faire. Donc, je vous en dirai pas plus. En fait, c'est simple. Ici, quand on commencera à faire ici et ici, ça veut dire qu'on aura fini le parc. Ça et ça, ce sont les deux derniers constructions que je vais faire sur le parc normalement. Du coup, aujourd'hui, tac 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 tac, on va s'attaquer à tout ça. Avec ce fameux enclos qui est asiatique pour le coup. Hop, aquatique, continent Asie, Océanie, Europe, voilà. Où dedans on va retrouver les flamants roses, les grues du Japon. Ainsi que nos buffles d'eau qui sont buffles sauvages d'Asie. Voilà. J'ai très hâte de commencer. Du coup, je vais vous laisser maintenant. Et puis, je vais vous dire à tout à l'heure. Thank you.
A few moments later.
Et re tout le monde. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Pas mal de choses, je suis trop trop fier. Je suis trop trop fier. Du coup, on a fait cette sublime rizière. J'ai pris en référence certaines photos qu'il y a sur Google Images. Je savais pas trop ce qu'il y avait là. Et en fait, en zoomant, c'est de la terre. La terre qui est simplement couverte de verdure, généralement. Il peut avoir des pierres, etc. Mais j'ai préféré la mettre en vert. Je trouve que la rizière rend beaucoup mieux comme ça. J'en ai mis une là, là, bah j'en ai mis partout. Je voulais pas que ça soit juste comme ça, quoi. Juste un truc comme ça. J'en ai mis là et là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors, j'ai construit une barrière pour éviter que les personnes tombent à l'eau et puis se frottent aux animaux. Et bien sûr, j'ai regardé Google et mon ami. Il y a des réserves japonaises, en quelque sorte, sur les îles ou autres, où en fait il y a des ponts, des pagodes, des maisons, etc. etc. avec des portes sacrées là, qui font beaucoup beaucoup plus grand que moi, donc pour moi de voir ça dans une réserve, ça ne me choque pas. Il y a les pro-réserves qui vont dire « Ouais, il n'y a pas de traces humaines normalement dans les réserves. » Eh ben, figurez-vous que si, il y a des traces humaines dans certaines réserves et tout. Et voilà. Donc, en fait, c'est tout à fait normal de pouvoir voir ce genre de choses. Les portes Nori, c'est ça, je crois? Oui, je crois que c'est ça. Et donc, voilà. Moi, ça me choque pas. Et je trouve ça vraiment très, très joli. Je vous montre aussi en pleine nuit. Hop. Voilà. Pleine nuit, moi j'adore. Très joli. Comme vous savez, en Asie, ils sont très 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 croyants. Ils ont énormément de dieux. Du coup, je voulais faire un petit hôtel à la grue japonaise, mais en fait, il n'y a pas de sculpture de grue japonaise, alors j'ai fait un petit hôtel vite fait comme ça, un petit hôtel abandonné. Et après tout le reste, j'adore faire des zones aquatiques basses. J'adore ça, je trouve ça sublime. Mettre de la végétation en masse comme ça avec des lotus. Le lotus sera sur le côté, sur des côtés de construction. Et le nénuphar sera plus à l'intérieur, enfin au centre. Enfin, sans construction et tout. Il y a une partie des animaux, donc flamant rose, cru, buffle d'Asie. J'ai vu un buffle, il a speedé, il a vu ça comme ça. D'ailleurs, il doit être quelque part par là, non? Ah, je sais plus où il est, mais il y a un buffle qui a couru pour passer sous le pont, mais je sais plus où il est. Attendez. Ah bah il a dû... Bah je sais pas. Du coup voilà, je vais laisser s'éparpiller tranquillement. J'arrête pour aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je suis dessus. La prochaine fois on va continuer, on va essayer au moins d'aller jusqu'au pont. Ça fait énorme, je sais. On va faire ça en 2-3 vidéos, j'espère. Mais j'adore poser les trucs et... c'est vraiment mon kiff. Regardez, c'est vraiment sublime. Moi, je trouve ça sublime. Enfin, bref. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.